Bienvenue dans cette routine de la salutation à la lune, cette fois la version sur les genoux. Prends le temps de t'agenouiller et de respirer profondément. Prends le temps d'émettre ton intention. Une routine en introspection. Mains sur le cœur, inspire, soulève le bassin. Et à l'inspiration, amène les bras vers l'avant. Inspire. On va la faire en douceur. À la prochaine inspiration, amène une des jambes, la jambe gauche pour ma part, à l'avant. Doucement, ouvre vers la droite. Respire ici. Rappelle-toi que ce thème est relié au silence. À l'écoute profonde de soi-même, à ton côté yin, féminin, introspectif. Permets-toi de ressentir toutes les sensations du corps. Engage tes cuisses l'une vers l'autre, engage ton périnée et relaxe tes hanches. Assure-toi que ton pied derrière est aligné au niveau de la cheville et de la jambe. Ramène les mains au sol. Respire ici, sans l'étirement au niveau de tes hanches. Les épaules roulées vers l'arrière, loin des oreilles. Prends ton temps ici. Et soulève sur une inspiration la main gauche. Tu peux venir la porter dans le dos sans problème si jamais tu commences à voir le bras, l'épaule un peu fatigué. Assure-toi d'avoir chacun de tes doigts, chacun de tes orteils bien engagés au sol. Essaie de garder les hanches le plus droites possible. Ramène les mains au sol. Et doucement, ouvre la main droite. Ramène-la au sol tranquillement. Et tout en douceur, reviens sur tes genoux. Prends un instant ici. Roule la colonne. Et fais la même chose de l'autre côté. Soulève le pied droit vers l'avant. Laisse tomber les hanches. Et si besoin est, tu peux toujours ajuster la cheville pour t'assurer que le genou ne dépasse pas les orteils. Twist. Respirant, laissant aller les hanches de plus en plus vers le sol. Les bras sur une même ligne, les épaules qui se relâchent. Sur une inspiration, soulève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramène les bras de chaque côté du corps et viens les déposer de chaque côté de ton pied. Ramène les genoux ensemble. Et viens dans la planche. Respire ici. Assure-toi d'avoir le corps bien droit, les abdominaux engagés à partir du périnée et de pousser les côtes. Vraiment dans le fond des omoplates. Le dos est tonique. Utilise la respiration Ujjayi si ça te fait du bien pour garder la force. Tonifie ton centre.
Encore quelques respirations. Dépose les genoux. Et doucement, viens t'étendre au sol. Prends un instant ici, toujours dans l'optique, qu'on travaille beaucoup avec l'inaction, l'écoute profonde. Ramène-toi à ta respiration. Et doucement, amène les coudes en dessous des épaules et dans la posture du sphinx, ouvre la poitrine, ouvre les épaules, le regard droit devant. Et doucement, viens dans la posture de l'enfant, quelques instants. Avant de faire la même routine de l'autre côté. Roule la colonne vertébrale. Ramène les mains au cœur. À l'inspiration, pousse les hanches vers l'avant. Expire et inspire. Amène les bras vers l'avant. Ramène la jambe droite. Place les hanches, relâche le bas du corps. Squeeze les cuisses ensemble et twist. Respire profondément. Connecte à la respiration ressentie. Ramène les deux mains au sol à l'intérieur du pied droit. Relâche la hanche davantage. Chaque expiration, les hanches vont de plus en plus vers le sol. Et doucement, soulève le bras droit vers la droite. Assure-toi d'être bien enraciné, d'être bien aligné. Et doucement, reviens sur les genoux. Mais avant, dernière torsion. Tout est dans le ressenti de la posture. Si tu es dans ta tête, reviens à ta respiration. Reviens sur tes genoux maintenant. Et ouvre l'autre jambe, la jambe gauche, vers l'avant. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire et twist. Remonte. Emmène les bras vers l'avant et au sol. Planche. Garde ta planche. Sens ton corps qui se solidifie. Fais tous les ajustements nécessaires. Sens ton corps qui se tonifie. La persévérance, la force du souffle. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Même quand c'est relax, ça peut être quand même assez challengeant.
souris à l'intérieur de toi. Tu sais que tu peux le garder encore. Dépose les genoux. Dépose ton corps au sol. Repos. Dépose la tête d'un côté et de l'autre. Un peu. Juste assez pour reprendre des forces. Pour équilibrer l'action et l'inaction. L'écoute et l'action. Viens dans la posture du sphinx avec les jambes dégagées l'une de l'autre ou ensemble collées à partir des talons. Respire profondément. Dégage les épaules de la nuque. Permets-toi de relaxer le dos. Respire. Grandement et à ton rythme, posture de l'enfant. Tu peux faire cette séance de salutation à la lune aussi souvent que tu le veux pour commencer et ou finir ta journée. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.